Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo rapide de comment faire une pâte à quiche. Une recette est très rapide, très facile et elle n'a pas besoin de temps de repos. Pour cela, j'aurai besoin de 3 verres de 250 ml pas trop remplis de farine, la moitié du même verre d'un mélange entre beurre fondu et l'huile de tournesol. J'aurai besoin également d'une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de levure boulangère et une demi-cuillère à café de levure chimique. Une cuillère à café de sel et de l'eau pour amasser ma pâte. Donc on passe directement à la préparation de notre pâte. Dans un grand récipient, on verse les 3 verres de farine. On rajoute les levures chimiques, levure boulangère et le sucre. On mélange. Puis, on vient incorporer le mélange de l'huile beurre fondu dans notre farine. On mélange jusqu'à obtention d'une texture qui ressemble à du sable. À ce moment-là, on rajoute une cuillère à café de sel. Puis on vient ramasser notre pâte en rajoutant de l'eau petit à petit et en mélangeant jusqu'à avoir une pâte bien homogène qui tient bien et qui ne colle pas. Voilà, ma pâte à quiche est bien prête. Elle est bien homogène, elle ne colle pas. Je vais prendre la moitié et l'autre moitié, je vais la conserver dans le congélateur. Et je vais commencer à l'étaler. Donc mon moule à pâte est de 27 cm de diamètre. Donc la moitié de la pâte que j'ai préparée lui suffit. Donc j'ai étalé ma pâte à une épaisseur de 2 mm. Donc il faut l'étaler finement. Je viens la déposer sur mon moule à tarte. Et je découpe toutes les parties qui débordent. Et voilà, mon fond de quiche est bien prêt. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.